Père Gilles de Gênes, mon père, incarne une manière d'être à la science singulière. L'intitulé de son prix Nobel a bien pris soin de le préciser. Le prix lui est décerné pour avoir découvert que des méthodes développées pour l'étude des phénomènes d'ordre dans des systèmes simples peuvent être généralisées à des formes plus complexes de la matière, en particulier aux cristaux liquides et aux polymères. Professeur de Gênes, le prix Nobel de physique de cette année vous a été décerné pour votre remarquable contribution à la compréhension des cristaux liquides et des polymères. Ce prix scientifique prestigieux ne vaut pas seulement pour une découverte. Il couronne plus largement une démarche scientifique ayant su opérer des analogies et établir des passerelles entre différentes méthodes et champs de la physique. Une manière très personnelle d'être à la science et au monde. Pierre-Gilles de Gênes est 59 ans et verksam i Collège de France à Paris. Je suis né en 1932 et j'ai vécu la guerre entre 8 ans et 12 ans. Oui, c'était une grande solitude. Et puis aussi, c'est vrai que ma mère a été un moment emprisonnée par les Allemands, que je me sentais vraiment complètement paumé. J'étais dans un petit bled perdu qui s'appelle Barcelonnette. C'était rustique. On vivait dans une pièce avec l'eau en bas, à l'étage du dessous, etc. C'était pas le grand confort. Mais c'était pas non plus les cas dramatiques que d'autres gens ont pu connaître. Et du point de vue de la bouffe... Dans ce moment tragique, s'élever vers les cimes de la montagne est essentiel, vital même. Pour trouver l'air pur qui combat la maladie, pour s'éloigner aussi des menaces de l'occupation trop forte à Paris, mais aussi sous l'impulsion de sa mère, Yvonne de Gênes, qui lui fait l'école jusqu'à la cinquième, il s'agit de s'élever intellectuellement, de devenir quelqu'un. Pendant la guerre, mon père est mort assez vite. En plus, mes parents étaient divorcés, donc je voyais très peu mon père. Donc j'ai pas eu cette proximité qui infuse beaucoup de choses. Carnet. C'est vrai que mon père était assez secret sur ses souvenirs, il en parlait, mais j'ignorais totalement ça. La neige a commencé à tomber. Ça, c'est... Les chasse-neige passent toutes les deux heures. La neige tombe. J'ai reçu une lettre de maman. Nous avons 10 chapitres à réviser en histoire. Tombe une neige faible. Ce moment d'enfance semble marqué par l'obligation absolue d'apprendre à s'orienter au milieu des interactions chaotiques du monde, de savoir les identifier, les décrypter, les dessiner simplement pour mieux les dompter et peut-être s'en prémunir pour se sauver. Le dessin sera un élément fondamental dans la méthode de Pierre Gilles. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça et j'adore parce qu'effectivement, là, je vois qu'il a eu un zéro et qu'il a été mis au piquet. Et c'est assez drôle. Et alors, la montagne. La montagne. Voilà. Quand il arrive dans les Alpes. Je n'avais pas du tout l'impression d'une mer qui n'était pas aimant. Mais inversement, c'est une mer avec certaines traditions et une notion qui était importante et qui est très britannique, c'est on ne montre pas ses émotions. Alors, elle avait une habitude que j'ai retrouvée moi-même plus tard et qui était excellente, qui était de lire à haute voix. Beaucoup des mémoires des généraux de l'Empire faisaient à la craie le plan de la bataille sur le parquet.
Ça, c'est le souvenir qu'on garde. C'est comme si papa dessinait, pour rendre visible, au-delà de l'informe mêlée des combats, les interactions fondamentales qui structurent la bataille et permettent de comprendre la victoire. Le soir, en cachette, il lit, réfléchit. Il a déjà ce goût pour une culture encyclopédique qui permet de décupler les possibles interactions. Métaphores, liens singuliers, analogies vont nourrir son imagination et sa pensée. Sorti. Ah bon, alors ça m'arrange bien. Une merde, sorti. Tu avais une belle occasion là. Je pense que ça a démarré, c'est ça, à 14 ans. Mais évidemment, de nos jours, avec les progrès de la technique, on a trouvé ici un espèce de carton feutré qui est infiniment meilleur que la table en verre. Toute la technique s'est considérablement améliorée, en particulier les poteaux sont maintenant des poteaux incontestables. Il y a toujours des arguties avec les deux doigts. Tandis que ça, on ne veut pas tricher. Oh, but. Oh, il y a but pour tuer les têtes. Voilà, ça, c'est écœurant. Je crois qu'on ne peut comprendre Pierre-Gilles sans parler de son rapport fusionnel à la montagne. Imposant son univers physique très puissant, la montagne a été une terre d'adoption pour l'enfance de mon père. Elle lui a offert la majesté et l'évidence de la nature et de la matière, et aussi un terrain d'observation, un champ infini de questions, un univers rude mais dépassionné, donc rassurant. C'est superbe à voir, c'est comme les vagues de la mer, les moutons qui sont rassemblés par les chiens. Moi, c'est un des métiers que j'aurais aimé faire, être berger. Je ne crois pas que j'aurais été un très bon berger, mais j'aurais quand même beaucoup aimé le faire, et passer des longs mois comme ça. Nous montons en voiture jusqu'au chalet, qui est un peu en dessous du col du Granon. Nos trois collègues sont lourdement équipés de caméras, perches, batteries, etc. Pierre-Gilles reste à l'arrière, où il est enregistré par l'équipe, proférant des axiomes sur la science, l'origine de la vie, l'origine de l'univers et d'autres questions sur lesquelles il ne connaît rien. Il y a tout de même un moment vrai où l'on tourne en face de la Meije, des écrins et à l'opposé du Viso qui est superbe ce matin-là. Voilà les écrins, on va pas. On voit le doigt de Dieu de la Meije. On voit les agneaux, les chaudards. Et à gauche là-bas, le long de l'arête, ce mec qui apparaît comme dans de la brume, couvert de neige, c'est le Viso. Ça fait un beau système. Toute sa vie, de la montagne au tas de sable, Pierre-Gilles va chercher à percer le mystère du réel à travers la matière physique et objective. Premier chapitre, comprendre. Chaque fois qu'on a un phénomène qui sort, qui est nouveau, on est vraiment dans une situation extrêmement excitante. Il y a quelque chose qui se passe et on ne comprend pas du tout pourquoi. Quand on est devant comme ça un phénomène que la nature nous offre et on se sent désarmé, eh bien, on ne peut pas être satisfait avant d'en avoir fait le tour. Alors, à cette motivation première s'ajoute une deuxième motivation que je pourrais appeler, peut-être un peu ambitieusement, inventée. L'enfance de papa forme comme le creuset symbolique du futur scientifique. Il va développer ce qu'il appelle un penchant pour l'exactitude. Il veut affronter la matière sans aide, avec le cerveau et les mains, la raison et l'imagination, pour lutter, dit-il, en milieu hostile, désespéré, et finalement trouver le brin du fil d'Ariane. Mon père était médecin et ma maman, ce qu'elle aimait, c'était la littérature et l'histoire. J'aimais beaucoup la littérature, mais il y a eu un moment où j'ai trouvé que c'était une activité imprécise. Tous les coups étaient permis. En gros, en science, souvent, tu peux risquer de dire un truc vachement dangereux ou pas sûr, mais au bout d'un an ou deux, il y a des choses qui restent et il y a des choses qui ne restent pas. Et ça, je trouve qu'on se sent beaucoup mieux en science pour ça. Quand on a fait quelque chose de solide, même si c'est modeste, mais on a fait un truc, on sait que c'est là. Donc si aujourd'hui tu devais à nouveau choisir ta voie,
En sciences ou ailleurs d'ailleurs, tu ferais quoi? En sciences, c'est clair que je ferais de la bio, comme toi tu en as fait, mais je n'aurais pas eu l'énergie et la patience expérimentale que tu as eue, donc je crois que ça aurait peut-être tourné vinaigre. Magnétisme, matériaux granulaires, matière condensée ou matière molle, des supraconducteurs jusqu'aux petits neurones, tout au long de son parcours scientifique, il s'agit chaque fois pour Pierre-Gilles de Gennes d'explorer des systèmes d'interaction complexes, de les comprendre et de les rendre intelligibles. Nous avons devant nous un bol de spaghettis. Chacun fait à peu près 10 cm. Réduisons tout ça par un facteur 10 millions. Là, nous avons ce que nous appelons un fondu de polymère. Les produits comme les plastiques, c'est des polymères. Les textiles dont nous sommes habillés, c'est principalement de nos jours des polymères. Notre propre corps, c'est fait avec des systèmes en longue chaîne comme ça. Si je force un changement d'aspect très dramatique, eh bien, il y a des chaînes qui péniblement se désenchevêtrent les unes des autres. Et comprendre ce mécanisme de désenchevêtrement, et d'ailleurs sa suite, elle se réenchevêtre tout de suite après dans d'autres formes, c'est le problème clé de toutes ces affaires-là. Alors, je prends une chaîne marquée, je tire délicatement dessus, et j'arrive à la faire venir facilement. Et ce mouvement où une chaîne se faufile parmi d'autres est un peu comme le mouvement d'un serpent qui se faufilerait parmi des herbes, disons. Et c'est ce que nous avons baptisé reptation, mouvement de serpent. Et cette idée de la reptation a permis progressivement de comprendre toute la mécanique de systèmes enchevêtrés comme ça. À la neige, c'est quelque chose, c'est un autre monde. Ce qu'il y a de très beau dans la neige, c'est surtout la façon dont des tas de petits cristaux se mettent à croître les uns par rapport aux autres. Pierre-Gilles ne cherche pas à réduire le vivant en équation, mais cherche à en percevoir toute l'épaisseur et la beauté. Il dégage les grandes lignes d'une manière minimaliste. Comment s'organisaient ces petites figures les unes par rapport aux autres. L'eau, la glace, c'est vraiment quelque chose qui est très profondément ancré dans toute notre psychologie. Il y a dans l'eau des tas de mystères. Ultimately, I came back to an old transparency I have, and I like this transparency very much. It is by Boudin. It is called la souffleuse de savon, the blower of soap. And I like the little poem, if I can read it here. It says, amusons-nous sur la terre et sur l'onde. Let us have fun on earth and sea. Malheureux qui se fait un nom. Unfortunate the one who makes himself. Amusons-nous sur la terre et l'onde. Malheureux qui se fait un nom. Richesse, honneur, faux éclat de ce monde. Tout n'est que boule de savon. C'est un thème extraordinaire. Pendant très longtemps, on a pensé que la science des bulles de savon avait commencé avec Newton. Et puis en fait, maintenant, on sait que non. On sait qu'elle a commencé du temps des Babyloniens. Elles sont belles, celles-là. Elles sont vraiment très belles. Donc, dans ce système qui paraît tout simple des bulles, il y a énormément d'informations sur des tas de mécanismes fins et délicats que nous commençons juste à comprendre. C'est quelque chose de très satisfaisant d'avoir un objet si simple, si classique, et qui en même temps reste un objet de science. Lors d'une conférence au Japon, Pierre-Gilles déclare « Nous, physiciens de la matière condensée, pouvons parfois résumer un phénomène compliqué par un dessin ou une image simple et accessible à tous. Mon père fait du dessin un mode d'expression qui lui permet d'atteindre des raccourcis fulgurants. La représentation simple de concepts compliqués en quelques traits de crayon. Pour mon père, les lois fondamentales de la nature s'expriment par un symbolisme remarquablement concis. Plus une description formelle est simple, plus elle a des chances d'être exacte. Peut-être le dessin est-il aussi une manière, comme durant son enfance, de rendre les complexités du réel moins inextricables, moins effrayantes. La vie devient un jeu de bulles de savon. Il n'y a pas de jardin de la science, déclare Pierre-Gilles lors de sa leçon inaugurale au Collège de France. C'est plutôt une jungle dans laquelle erre une tribu nomade
fuyant les espaces qu'elle vient elle-même de brûler. Les nations ont rarement le sens de l'avenir. La France des années 1880 se passionne plus pour le général Boulanger que pour le jeune Pierre Curie. Celui-là, pourtant, à 21 ans, vient de découvrir un effet bien curieux. En appuyant avec son frère Jacques sur de petits cristaux, il a fait paraître des charges électriques. Comment prévoir que ce jeu de cristallographe, cette piézoélectricité, comme on l'appellera, comment prévoir que ceci engendrera des découvertes majeures? Les ultrasons, le sonar, clé de la guerre sous-marine, mais aussi détecteur des bandes poissons, l'échographie, la destruction des calculs rénaux. La cérémonie d'aujourd'hui doit rappeler comme cette longue marche fut dure, pas seulement pour des raisons techniques ou à cause d'équipements sommaires, mais aussi par la résistance des corps constitués. La Sorbonne, qui rejette la candidature de Pierre Curie en 1898, l'Institut, qui ne veut pas de Marie en 1910, et pire encore, le conservatisme scientifique. Au fil des ans, la machine nucléaire a poursuivi sa marche. Peu après la mort de Marie, elle va faire basculer le XXe siècle. En 1942, Fermi lance la première pile. En 1945, deux bombes éclatent dans le ciel du Japon. La suite, le devenir de cette capacité redoutable est notre problème. Notre problème. Le travail acharné d'un homme et d'une femme a mis le XXe siècle dans une situation dramatique de puissance et de responsabilité. À nous, à nos enfants, de savoir répondre à ce défi, en gardant présent à notre esprit l'exemple de ce couple, exténué mais heureux et totalement pur, qui a changé la face du monde. Ici, il évoque le nucléaire. Ensuite, il parlera du développement des neurosciences et de la possibilité que cela engendre le pire. Il assume sa place de scientifique au sein de la société. Il pense que la recherche doit être utile à tous. S'il travaille avec le monde industriel, c'est pour que ses recherches rencontrent des débouchés pratiques qui servent le plus grand nombre. Je ne fais aucune distinction entre sciences appliquées et fondamentales dans mon domaine. Je ne veux pas du tout dire ça pour l'ensemble des sciences, etc. Mais dans le domaine que nous vivons là, qu'on a décrit ce matin, la distinction est vraiment... On ne se la pose pas, on ne se la pose pas. Mais évidemment, quand je parle de sciences appliquées, je ne veux pas... Et si vous voulez, en tant que directeur de physique et chimie, j'étais dans cette question-là. Il ne s'agit surtout pas d'être à la botte de l'industrie. Cette attitude-là est très dangereuse. Je veux à physique et chimie des gens qui inventent des procédés nouveaux et pas simplement qui servent de centre technique pour l'industrie. C'est un côté très positif de la science 20e, 21e siècle par rapport à ce qu'elle était avant. C'est qu'on n'est pas seul. On est dans une équipe. Ici, au collège, il y a une petite équipe, disons, de 20 personnes au maximum. Et là-dedans, ils sont 3 ou 4 groupes. Et chacun de ces groupes a une cohérence extraordinaire. Les gens ont des aptitudes très différentes. L'un va être un électronicien, l'autre va être plutôt un chimiste, un autre va être en optique. Et puis dans un groupe comme ça, il y aura peut-être un demi-théoricien. Il n'en faut pas beaucoup de théoriciens. Et avec ça, il se fait une espèce d'unité qui marche ensemble et qui a une robustesse extraordinaire. Toute sa vie, Pierre-Gilles développe une volonté insatiable d'entrer en interaction avec les autres. Chacun de nous a des points faciles et des points difficiles. Et ce qui est important, c'est de s'enrichir sur les points difficiles et pas sur les points faciles. Dans mon cas, l'abstraction ne me fait pas peur. Le côté théorique ne me fait pas peur. Mais là où j'avais du mal, et je le disais au début, c'est d'apprendre à regarder et à observer. Sa grande culture et son sens de l'observation lui permettent de se forger ce qu'il appelle un bon sens. Il ne se laisse pas fasciner par l'outil théorique tel que les mathématiques. Pierre-Gilles choisit d'utiliser la théorie comme le point de départ à l'expérimentation.
Il aime souvent citer la phrase de Richard Feynman « Theory is the best guess ». La théorie est la meilleure des conjectures. Pour lui, la théorie est un tremplin pour la démonstration expérimentale. Essayer de comprendre, essayer de se faire une espèce de perception simple de ce qui se passe, c'est un défi constant. Avant de lancer la grosse armada technologique. Oui, absolument. Que ça soit la grosse expérience qui coûte cher, ou que ça soit le gros investissement théorique où on se met à écrire d'énormes équations, et puis on veut passer 5, 6 ans, même certains 20 ans, à essayer de voir ce qu'elles produisent. Très souvent, quand on voit le résultat final, on s'aperçoit qu'il y avait des voies plus simples. Ces équations ne sont pas du tout inutiles, cette approche lourde, c'est un sortier pas, comment dire. C'est la façon de faire des constructions solides. Mais il y a toute une construction légère qui est très importante, à la fois pour comprendre, pour aller vite, et d'autre part pour transmettre, pour parler aux étudiants. C'est dans l'éducation que Pierre-Gilles de Gennes va trouver la manière la plus élevée de pratiquer l'interaction. Le style de Gennes, c'est une manière simple et profonde de présenter des phénomènes très complexes, mais dans un langage accessible à tous et de façon si séduisante qu'on a l'impression de les comprendre. Le sable, drôle de substance. D'un côté, dur, comme un solide. Quand on tombe dessus, tomber de haut sur du sable, on se fait mal. Et de l'autre côté, complètement fluide quand je verse comme ça. Et quelquefois à mi-chemin. Ici, je verse sur un tas, tout se fige et je retrouve quelque chose qui est insolide. Ce que les gens ont observé, c'est qu'il se fait ici une pente qui est parfaitement définie, qui est disons 30 degrés pour une espèce de sable, peut-être 35 degrés pour un autre, mais qui est parfaitement définie pour un sable. Et on est très loin de comprendre encore très bien le mécanisme qui fait cette pente. C'est amusant qu'un truc aussi simple que les enfants connaissent, que les Grecs connaissaient, que le monde, que les poètes ont chanté d'ailleurs, qu'on en soit à ce niveau d'ignorance. C'est très important de faire sentir, en particulier à vous autres, que la vie est encore entourée tout autour de nous, qu'on est entouré de petits mystères, qu'on n'est pas du tout dans un monde résolu. Sa pensée dynamique est farouchement partageuse. Elle fait de lui un passeur fantastique. Il n'écrase pas par son savoir, il partage sa curiosité. Dans la conclusion de sa leçon inaugurale du Collège de France, il appelle à remplacer la relation maître à élève par celle de chercheur à chercheur. Toute mon attitude vis-à-vis des étudiants est de ne pas du tout essayer de distinguer des étudiants qu'on appelle brillants. On va se prendre un normalien, il va être brillant, et ainsi de suite. Moi, ça me hérisse, cette notion-là. J'ai l'impression que si on prend la plupart des chercheurs d'une génération en cours d'études, disons, et qu'on les met dans des bonnes conditions d'études, on en tirera un fruit très satisfaisant. Et je ne fais pas du tout cette espèce de distinction par l'intelligence. Je trouve qu'on voit beaucoup trop de gens intelligents, mais qui n'ont pas les autres qualités dont j'ai déjà parlé, comme ce sens de l'observation, ce sens des ordres de grandeur, ou ce sens des nécessités pratiques, et qui fait qu'ils font des constructions intelligentes, mais totalement artificielles et fragiles. Il milite pour une recherche altruiste, contre les cloisonnements qui, selon lui, sclérosent l'université. Il dénonce tout ce qui contrarie la transmission des énergies créatrices. Elles doivent naître de l'interaction des intelligences, des compétences singulières. Rien ne doit entraver l'imagination. Nous sentons extrêmement mélancoliques vis-à-vis des artistes, ou de, par exemple d'un compositeur musical. Un compositeur musical arrive à transmettre un message en 10 secondes. Il a un petit thème et les gens sont pris ou pas pris. Et nous, c'est vrai que beaucoup des choses qu'on trouve belles sont des choses qui ne peuvent être appréciées qu'après un long et patient itinéraire. Alors, on peut quand même lutter la contre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut simplifier, il y a des choses qu'on peut faire apprécier, mais pas toutes.
C'est vrai que Pierre-Gilles nous lisait souvent des histoires. C'était des bons moments, des histoires et des chansons aussi. Et il avait aussi une fascination pour le Japon et la littérature japonaise. Je vais vous lire un extrait de Kawabata, la danseuse d'Izu. Quelle est navrante cette coutume des vivants d'invoquer les morts. Mais comme elle est navrante surtout, cette croyance que l'être survit en conservant, dans un monde à venir, la forme qui fut déjà sienne dans un monde antérieur. Le sentiment de l'analogie du destin des plantes et de celui des hommes. Voilà le thème éternel que toute élégie, disait un philosophe dont le nom m'échappe. J'ai retenu cette phrase-là par cœur, mais oublié le contexte. Le destin des plantes. N'est-ce que de fleurir et de se faner? Doit-on lui chercher un sens plus profond? Je ne saurais le dire. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un scientifique? Pierre-Gilles de Gênes a toujours fait interagir ces deux questions pour n'en faire qu'une. Mieux comprendre ce qui nous entoure et les processus de la connaissance, c'est comprendre qui l'on est. Ma jeunesse était telle que on nous apprenait une vision scientiste de l'origine de la vie. On nous disait, c'est très simple, il s'est fait une sorte de bouillon sur la surface de l'océan, irradié par les UV du soleil. Les protéines fabriquent les acides nucléiques codent pour les protéines, tout ça se mord la queue et ça tourne et s'élève. Et ce schéma est peut-être correct, mais est quand même lui aussi terriblement influencé par, je dirais, une certaine vision volontairement matérialiste du monde qui était prédominante à l'époque. Ce schéma ne me satisfait pas entièrement. En particulier, il y a ce fait très curieux que le code génétique est le même pour tous les êtres vivants. Ça, pour moi, c'est très bizarre. Et moi, je crois que je suis vraiment dans toute cette affaire-là comme l'âne de Buridan, c'est-à-dire que je regarde avec sympathie les progrès de la science, c'est mon métier, mais je regarde avec respect et sympathie les convictions, appelons-les des religions. Et je ne vois aucune raison pour ricaner sur les religions parce qu'on a des connaissances scientifiques. Il me semble que c'est deux domaines complètement distincts et que ce n'est pas du tout par l'une qu'on peut dominer l'autre. Il n'y a absolument pas besoin de sortir de la description scientifique pour rendre compte de l'esprit, on peut dire. Mais ça, je pense que c'est pour le moment trop audacieux et que nous n'en savons rien, que le domaine de l'esprit est à cerner. Pierre-Gilles évoquera souvent sa grande estime pour Primo Levi, chimiste de formation. Il citera en particulier ses propos de l'écrivain. J'étais en quête d'événements arrivés à moi et aux autres que je voulais montrer dans un livre pour voir si je réussirais à communiquer aux profanes la saveur forte et amère de notre métier, qui n'est jamais qu'un cas particulier, une version plus hardie du métier de vivre. Cette citation de Primo Levi résonne comme une profession de foi. Si nous parvenons à transmettre aux jeunes l'esprit de Primo Levi, écrit Pierre-Gilles de Gênes, nous n'aurons pas failli à l'honneur. Pierre-Gilles incarne l'honneur d'un homme qui aura su faire interagir science, progrès technique et un humanisme sans cesse réaffirmé. L'honneur d'un scientifique. Un poète a dit que le monde entier est dans un verre de vin. Et Feynman ajoute, naturellement nous ne savons jamais ce qu'un poète veut dire, mais pour nous scientifiques, nous pouvons reprendre cette affirmation et voir comme elle est riche. Parce que dans ce verre, nous voyons une quantité extraordinaire de phénomènes et d'informations. Par exemple, dans les larmes du vin qui se forment quand je l'agite et qui retombent, il y a un phénomène encore assez mal compris, que d'ailleurs dans notre groupe, on essaye de comprendre en ce moment. Dans le verre qui constitue l'enveloppe ici, il y a énormément de mystères. L'état vitreux, c'est étonnant, c'est quelque chose, c'est une des plus anciennes inventions de l'homme d'arriver à faire du verre. Et pourtant, à l'heure actuelle, personne n'a une doctrine simple et claire
sur ce qu'est l'état vitreux. Et à côté de ceci, dès que nous pensons à la fermentation, il y a aussi toute la vie qui est cachée, parce que c'est à partir d'études sur les fermentations que Pasteur a vraiment compris ce que c'était que la vie. Dans cette histoire du vin, il y a aussi toute une figuration de la relation entre la technologie et la science. Ça fait plus de 2000 ans que les gens savent faire du vin avec un art extraordinaire. Et nous, les savants comme on nous appelle, nous commençons seulement à comprendre ce qu'il y a là-dedans avec des techniques chimiques ultra raffinées. Et nous sommes à peine modestement en train de commencer à proposer des modifications qui soient des plus et pas simplement la fabrication d'un vin tout à fait standard. Donc il y a là-dedans une grande leçon de modestie. Et je crois que c'est la meilleure conclusion à tout ça, c'est qu'il faut revenir au vin tel que nos ancêtres l'ont fait, savoir en profiter et l'aimer tel qu'il est. Santé à nous tous autour de la science. Pierre-Gilles de Gennes a fait des études mixtes de biologie et de physique. Il a d'abord détruit certains appareils fragiles du laboratoire de Pierre Aigrin à l'École normale. À Saclay, il a passé une thèse sur les aimants. À Berkeley, Californie, il a appris les bons et les mauvais côtés de la vie américaine avant de servir 27 mois dans la marine française. À l'université d'Orsay, il a créé, dans un hangar, un groupe sur les métaux supraconducteurs, puis une action collective sur les cristaux liquides. Venu au Collège de France, il a fédéré une recherche nationale sur les polymères. Il a abordé ensuite des problèmes d'adhésion et de friction, initiés jadis par un inventeur inventif, Léonard de Vinci. Cela l'a conduit à étudier l'adhésion cellulaire. Il s'intéresse ensuite aux neurosciences et en particulier à la nature des objets de mémoire dans le cerveau. De 1976 à 2002, il a été aussi responsable de l'École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris, où sont formés des ingénieurs de recherche. Il a beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Il aime parler aux jeunes. Il a visité plus de 200 lycées.